C'est bien, donc on lit dans 2 Pierre chapitre 2 et le verset 11. Je commence la lecture, puis s'il y en a qui veulent suivre, vous pouvez le faire. 2 Pierre 2, 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la demande du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amossent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait regardé du verset 4 à 10. Puis il faut se rappeler ici que Pierre, dans sa deuxième épître, il met en garde les croyants. Puis on avait vu dans le premier chapitre que Pierre rappelle des choses à ces croyants-là qu'ils savent déjà. C'est pas qu'ils connaissent pas ça, mais Pierre veut leur rappeler ces choses-là afin qu'ils puissent s'attacher à la parole de Dieu, parce que Pierre est bien conscient qu'il y a un ennemi. On avait vu ça dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Pierre compare cet ennemi comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable, son but vraiment, c'est de perdre les âmes. Lui sait qu'il va être jeté dans l'étang de feu et de soufre pour être tourmenté jour et nuit. Il n'est pas encore là, le diable, mais il sait que c'est là qu'est sa fin. Puis sur sa route, si on peut dire, il veut entraîner la multitude avec lui. Puis il le fait depuis le début de la création. Donc, il va faire tout son possible pour empêcher les hommes
d'être sauvé. On voit ça dans la parabole du semeur. Quand que Jésus explique cette parabole-là, il va dire que ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, mais aussitôt qu'ils l'ont entendue, le diable vient et l'enlève de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc c'est ça que le diable veut pas. Il veut pas que les âmes soient sauvées, donc il va faire tous ses efforts pour empêcher les âmes d'être sauvées. Mais une âme qui cherche réellement de tout son cœur, qui est vraiment sincère, le diable ne pourra pas arrêter cette personne-là d'être sauvée. Donc après que le diable a perdu une âme, si on veut dire, une âme qui a été sauvée, il sait maintenant qu'il ne peut pas réclamer son âme, mais il va faire tout son possible pour mettre des embûches dans la marche du croyant pour essayer de l'arrêter dans sa marche ou le détourner de sa marche, même dans son témoignage. Donc Pierre est bien conscient de ça, parce que Pierre, on peut dire, parle par expérience. Vous savez que Pierre, quand que Jésus avait annoncé là, aux disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, qu'il devait être mis à mort, Pierre l'avait repris. Il avait dit, « Cela ne t'arrivera pas, Seigneur. » Puis vous vous rappelez que Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » On sait que Pierre, juste avant, avait dit au Seigneur, « Moi, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Même si toutes les autres vont t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai pas. J'irai jusqu'à la mort. » Puis vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre. « Avant que le coq ait chanté une fois, tu m'auras renié trois fois. » Puis vraiment, Pierre a appris que s'il va être capable de marcher en suivant le Seigneur, là, il ne peut pas le faire par lui-même. Ça prend une force en dehors de lui. Pierre a appris ces leçons-là à mesure qu'il a avancé dans sa marche avec le Seigneur. Donc ici, Pierre est maintenant âgé. Il sait que sa fin arrive. Il va bientôt partir. Le Seigneur lui avait dit comment est-ce qu'il allait mourir. Mais avant de partir, c'est un peu comme Paul. Si vous lisez la deuxième épître à Timothée, c'est la même chose. Paul sait qu'il va bientôt mourir, il va partir, mais avant de partir, il écrit sa deuxième lettre à Timothée pour encourager Timothée à persévérer. Après que lui serait parti pour continuer à annoncer la même chose, si on veut dire, que Paul annonçait. Donc, Pierre ici fait aussi la même chose. Donc, Pierre, on a vu donc la semaine passée, là, qu'il va mettre en garde les croyants à propos des faux docteurs. Il nous a dit au début, là, au verset 1 du chapitre 2, qu'il y a eu parmi le peuple, c'est-à-dire autrefois, sous l'ancienne alliance, il y a eu des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Donc, la raison qu'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. S'il n'y avait pas de vrais, il n'y aurait pas de faux. Donc, le diable, lui, est toujours en train d'imiter ce qui est vrai, mais c'est dans le but de séduire ou détourner le peuple de Dieu de sa marche, si on peut dire. Donc, on avait vu aussi la semaine passée que Pierre dit que plusieurs les suivront. Donc, il ne dit pas que c'est une minorité qui va les suivre. C'est plusieurs vont les suivre. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont capables de séduire avec peut-être des beaux langages, des personnes très éloquentes, puis des personnes aussi probablement qui ont une connaissance de la Bible, puis ils utilisent vraiment la parole de Dieu pour leur propre intérêt et non pas pour les intérêts de Dieu, pour leur propre fin. Donc le vrai prophète, lui, il travaille dans le but d'amener de la gloire à Dieu, d'exalter Dieu. Mais vous remarquerez que le faux prophète, c'est comme ça qu'on peut les détecter, c'est qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur eux. Et c'est beaucoup leurs intérêts. Puis ils abaissent la personne du Seigneur Jésus. On avait vu ça là, dans les dernières semaines.
Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi la semaine passée, c'est que Dieu n'a pas épargné ceux qui ont péché dans le passé. Puis Pierre ici prend trois exemples que ceux qui ont péché dans le passé, là, Dieu ne les a pas épargnés. Ils ont été jugés par Dieu. Il a parlé des anges au verset 4. Il a parlé des personnes qui vivaient du temps de Noé, la génération qui ont vécu du temps de Noé, qui ont refusé le message de Noé. Donc, ils n'ont pas été épargnés. Dieu a jugé par le déluge. Puis, il nous a parlé aussi de ce qui s'est passé des villes de Sodome et de Gomorre. Donc, vous savez que ces villes-là étaient associées au péché dans toutes ses formes, surtout le péché de la débauche. Puis, Dieu n'a pas épargné les villes de Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que Pierre veut nous faire comprendre à nous aujourd'hui, comme qu'il voulait faire comprendre à ces chrétiens-là, que Dieu va faire la même chose à ceux qui aujourd'hui refusent de se repentir puis se tourner vers lui. Dieu fera la même chose. Il ne faut pas penser que Dieu ne va pas agir. Puis c'est ça que Pierre veut mettre l'emphase, parce qu'il y a des personnes qui sont autour d'eux, les faux, qui veulent dire il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à marcher dans la vie du péché, puis il n'y a rien qui va arriver. Hein? On avait vu aussi que Pierre nous a parlé que dans Sodome, vous vous rappelez qu'il y avait un homme qui se trouvait là, le neveu d'Abraham, Lot. Lot, c'était un croyant. Pierre le dit ici. Si on n'avait pas ces paroles ici, peut-être qu'on pourrait douter que Lot était un croyant. Mais Lot a pris le chemin plus facile, si on veut dire. Le chemin de la chair plutôt que le chemin de la foi. Donc, il marchait par la vue. Donc, Lot est sauvé, mais il va perdre beaucoup, Lot, à la fin. Même on voit sa vie sur la terre, à la fin, il a tout perdu, vraiment, parce qu'il a pris un chemin pour le côté de la chair, mais il a souffert beaucoup en prenant ce chemin-là, parce que vous savez, un croyant qui s'éloigne de Dieu, qui prend le chemin de la chair, peut-être à la première vue, ça paraît plaisant, ça paraît bien, mais il y a les conséquences. Puis ça nous dit les conséquences de Lot, que dans Sodome et Gomorre, son âme était tourmentée journellement par les choses qu'il entendait, qu'il voyait. Il ne pouvait pas se réjouir, là, Lot, comme chrétien. Mais c'est les conséquences de vouloir marcher par la vue et non pas par la foi. Mais on avait lu au verset 9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Donc Dieu va délivrer ceux qui lui appartiennent. Mais il va punir les injustes au jour du jugement. OK, donc je ne sais pas si vous avez des questions ici, là. Sinon, on va continuer à partir du verset 11. Donc, du verset 11 à la fin, si vous avez remarqué, là, quand on a lu tout à l'heure, ce sont des paroles qui paraissent très sévères. Des paroles que Pierre mentionne ici, là, quand ces faux docteurs. Donc, on voit que Pierre ne ménage pas pour dire qui ils sont. Peut-être qu'à la première vue, quelqu'un dirait, mais Pierre, on dirait qu'il manque d'amour dans ses paroles. Et parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qu'il faut plaire aux hommes. Il faut faire ce que le monde veut, en général. Il ne faut pas les contredire ou dire s'ils font du mal. Hein? Mais on voit que Pierre n'était pas comme ça. Puis, si vous avez un temps, là, plus tard, c'est de lire l'épître de Jude. Vous allez voir que l'épître de Jude est beaucoup en parallèle avec ce que Pierre nous dit ici, là, dans sa deuxième épître, concernant les faux docteurs. Jude nous dit beaucoup les mêmes paroles, même que Jude dit qu'il s'est glissé parmi vous, des personnes. Puis là, il décrit à propos de ces personnes-là.
Puis on voit que Pierre nous décrit un peu la même chose quand il parle de ces hommes-là. Donc il va dire au verset 11, « Tandis que les anges, ça c'est en contraste avec le verset 10 là, c'est que ces hommes-là, au verset 10, qui dit là, « Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprise l'autorité. Audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Même ils méprisent les autorités spirituelles. » Mais ça, c'est très grave. Pas seulement qu'ils méprisent les autorités de la terre, mais ils méprisent les autorités spirituelles, les autorités qui appartiennent à Dieu. Mais Pierre nous dit que les anges qui sont beaucoup plus hauts dans la création de Dieu là, que les hommes, eux, ils ne vont pas faire ces choses-là. Les anges ne feront pas ça. Il y en a qui ont rejeté Dieu, mais ils ne vont pas mépriser l'autorité. C'est ce qu'il dit au verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Donc les anges, même s'ils sont plus hauts, si on peut dire, mais ils ne feront pas ces choses-là que les hommes font, que ces faux docteurs-là font. C'est ça qu'il veut dire. Puis là, il nous dit au verset 12, « Mais eux, semblables à des brutes ou à des bêtes, vraiment, il les compare à des bêtes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel, ça veut dire qu'ils satisfont leur désir de leur passion, là, une passion charnelle. Ils se donnent à ça. Et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur corruption. » Donc, on voit ici que Pierre ne ménage pas ses paroles à propos de ces faux docteurs. Il les compare à des bêtes. Des hommes vraiment qui sont là pour seulement se satisfaire. C'est comme Paul dit dans l'épître aux Philippiens, là. Ils ont, comment je dirais, pour eux-mêmes leur ventre. Ils veulent satisfaire leur ventre, leurs appétits charnels. Hein? Ils périront par leur corruption. Donc, c'est ça leur fin. Puis qu'est-ce qu'il dit au verset 13? « Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. » Donc, si on se donne au mal, si on se plonge dans le péché, dans toutes ces formes-là, il y a un salaire qui est donné à ça. On sait que ça nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Puis là, c'est vraiment la mort éternelle ou le jugement éternel. Donc, ils vont recevoir le salaire que l'iniquité va leur donner là. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Donc, si on peut dire, il n'y a pas de pudeur pour les autres. Ils ne font pas ça la nuit, ils vont même faire les choses en plein jour. Puis, il ne faut pas oublier là, que ces hommes ici, c'est des hommes qui lisent la parole de Dieu. C'est des hommes qui ont la Bible dans la main. Mais ces hommes-là utilisent la parole de Dieu dans le but de satisfaire leur passion et leur désir et leur cupidité. C'est dans le but de l'argent, puis ils vont utiliser des foules de personnes qui vont les suivre là, pour satisfaire leur passion naturelle. Okay? Donc, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Mais ces personnes-là, souvent, c'est dans les agapes, ils sont au milieu du peuple de Dieu. Vous savez, si Pierre nous dit ça, de ce qui se passait au début de l'Église, qu'est-ce que c'est dans maintenant, aujourd'hui, à la fin.
Donc, des personnes qui vont aller au milieu du peuple de Dieu, puis vont séduire plusieurs personnes. Il y a des foules qui vont les suivre. Mais on sait qu'ils ne peuvent pas séduire, je ne dirais pas Paul. C'est possible qu'ils peuvent même séduire ceux qui sont réels, mais ils vont pas être capables de les amener avec eux. À un moment donné, lui qui est réel va discerner ça. Mais pour ceux qui ne sont pas réels, ils vont se laisser emporter. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Ils ont les yeux pleins d'adultère. Il dit pas seulement qu'ils ont les yeux d'adultère, mais ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont jamais rassasiés, vous savez, de faire le péché, de satisfaire les passions de la chair dans toutes ses formes. Donc, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché et la mosse. Donc, ici, c'est bien de souligner ça. Et la mosse, c'est comme si vous avez déjà été à la pêche, avant de lancer la ligne à l'eau, au bout de la ligne, là, on met quelque chose pour amorcer ou pour prendre le poisson. Oui. Donc ici, ces gens-là, ils font la même chose. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amossent les âmes mal affermies. Donc, ça veut dire qu'ils vont attirer à eux les personnes qui ne sont pas affermies dans la vérité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Donc, il nous dit vraiment où est leur cœur. Ils ont leur cœur exercé à la cupidité. Ça veut dire ce qui les intéresse vraiment, c'est l'argent. Puis on a un exemple de ça avec Judas. Vous savez, il cite Judas pour être placé parmi ces gens ici-là. Judas qui était avec Jésus pendant son ministère public, il a marché avec lui, il a vu Jésus faire les miracles, il a entendu l'enseignement de Jésus, mais on dit que Jésus aimait, Judas aimait l'argent. C'est ça qui a fait qu'il a perdu son âme. Même, vous vous rappelez qu'il a vendu Jésus pour de l'argent. Mais on sait qu'est-ce qui est arrivé après. Il y a eu un remords, puis il a été se pendre. Donc, c'est ça qui a été la fin de Judas. Donc, ici, ces hommes ici, ces faux docteurs, et la mosse, les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Donc, ils vont au milieu du peuple de Dieu. Puis ils vont amener beaucoup de personnes au travers des autres. Ceux qui ne sont pas réels, ceux qui n'ont pas été nés de nouveau, ils vont se laisser séduire, influencer dans leur chemin. Donc c'est pour ça que Pierre met en garde les chrétiens ici. Donc pour ceux qui viennent d'ajouter, là on est dans 2 Pierre chapitre 2. On est rendu au verset 15 maintenant. 2 Pierre 2 et le verset 15. Alors Pierre ici va nous donner un exemple d'un homme qui se trouve dans l'Ancien Testament qui s'appelait Balaam, qui se disait prophète, mais il était un faux prophète. À la surface, il peut paraître vrai, mais il était faux. Et donc, le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir quitté le droit chemin, donc en parlant de ces faux docteurs, vous savez que Jean nous dit dans son épître qu'il y a un antichrist qui doit venir bientôt, qui va se présenter. Jean le disait dans ce temps-là, mais il dit qu'il y a plusieurs antichrists. Puis il dit on est dans la dernière heure. Puis il nous dit d'où que ces antichrists-là sont sortis. C'était des personnes qui autrefois se trouvaient au milieu du peuple de Dieu, même dans les assemblées au début. Mais ils sont sortis. Puis Jean nous dit la raison pourquoi ils sont sortis. Parce qu'ils ne sont pas des nôtres. S'ils auraient été des nôtres,
ils auraient resté au milieu de nous. Puis ils n'étaient pas des nôtres. Donc, ici, en parlant de Balaam, au verset 15, après avoir quitté le droit chemin, il se sent égaré. Donc, c'est des personnes qui ont connu la vérité, qui ont été exposées à la vérité. Des personnes, probablement, peut-être, qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Ils ont connu la vérité, mais ils l'ont quittée. Après avoir quitté le droit chemin, il se sent égaré. Puis qu'est-ce qu'il nous dit ici? En suivant la voie de Balaam. Donc, ces personnes ici, ces faux docteurs ici, il dit qu'ils ont suivi la voie de Balaam. Qu'est-ce que c'était la voie de Balaam? Et il nous dit, fils de Bozor qui aima le salaire de l'iniquité. Donc, Balaam, c'est aussi un homme qui s'est laissé entraîner par l'argent. Si vous lisez là dans Nombre, au chapitre, je pense que c'est le chapitre 25, ou même avant ça peut-être, qui nous parle que c'est le roi de Moab qui avait demandé à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël. Puis en premier, Balaam n'a pas voulu aller, mais après avoir l'insistance du roi, là même qui allait lui donner de l'argent, donc Balaam est parti parce qu'il y avait de l'argent au bout du chemin. Donc Balaam, c'est ça qui a été attiré après. Puis on sait que par la suite, c'est Balaam vraiment qui a corrompu vraiment avec un conseil qu'il a donné, là, je pense au chapitre 25 des Nombres, qui a mêlé le peuple d'Israël avec les gens qui n'est pas associé au peuple. Là. Il a mélangé vraiment. Il a fait faire des mariages. Donc, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité. Puis, si vous vous rappelez, Balaam, quand il est parti là, sur son âne, il a été arrêté sur son chemin. Donc, c'est Dieu vraiment qui parlait à Balaam pour l'arrêter. Dieu envoyait un ange, mais Balaam n'a pas écouté. Il a voulu continuer son propre chemin parce que son désir, c'était ce qui était au bout, c'était l'argent. Mais qui fut repris pour sa transgression. Donc, il a été repris, Balaam, même que Dieu a permis qu'un âne va parler. Un animal, ici, l'âne, il va parler. Il dit, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme. Donc, l'ânesse a parlé comme une voix d'homme. Arrêta la démence du prophète. Puis vous vous rappelez que Balaam a frappé son âne. Puis l'ange a dit, pourquoi me frappes-tu? Normalement, je t'obéis. Mais c'est Dieu qui voulait arrêter Balaam. Mais Balaam n'a pas arrêté sur sa route. Donc, vous pouvez lire ça, si vous voulez, dans Nombres, je pense que ça commence du 23, 24, 25, là, l'histoire de Balaam. Mais ça, c'est la voix de Balaam. Puis Pierre nous dit ici que ces faux docteurs-là, c'est cette voix-là qu'ils ont suivie. Si vous voulez tourner dans Jude, là, juste une minute, dans Jude, c'est juste avant l'Apocalypse, le livre de Jude. Jude nous dit un peu la même chose, mais il ajoute à ça Jude. Si vous allez au verset 10, Jude 10, il dit, « Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. » C'est ça qu'on a lu un peu tout à l'heure dans Pierre, là. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Donc ici, il parle de la voie de Caïn. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'était la voie de Caïn? Ben, c'est ça qu'ils ont fait ici. Ils ont fait la même chose. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam.
Donc, ils ont pris le chemin de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc, si vous vous rappelez de la révolte de Corée, c'est dans les Nombres au chapitre 16, c'est des hommes qui s'avaient révoltés, qui avaient parlé contre Moïse, puis Dieu les a jugés. Donc, on voit que Jude ajoute, mais ici, Pierre nous parle simplement de Balaam, qu'ils ont pris la voie de Balaam. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des pensées à ajouter, là, ou des questions. Mais dans ce texte qu'on vient de lire sur Jude, qui est quand même intéressant, ça a l'air, comment dire, légitime, parce que ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement d'Abraham. Vous savez, le salaire, c'est ce qu'on travaille, c'est ce qui nous est payé, c'est ce qui nous est dû, c'est ce qui nous revient pour ce qu'on a fait. Donc, ça a l'air quasiment légitime. Et il y a des gens qui travaillent aussi pour un salaire. Ils vont prêcher l'Évangile pour un salaire. Ils vont faire ça dans le but de s'enrichir. Quelqu'un a déjà dit, ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent de Dieu. Et cela fait beaucoup de tort à l'Évangile comme de raison. Et un tort considérable sur la vie des serviteurs de Dieu et de la parole de Dieu même. Et c'est beaucoup relié, là tu mentionnais aussi pour Judas, hein, il s'est repenti, mais c'est un repentir qui donne à rien, parce que c'est pas un repentir qui le fait, qui fait en sorte qu'il se tourne vers Dieu pour être secouru dans son péché. C'est un repentir qui l'a amené à la mort. Il s'est suicidé, comme tu l'as mentionné. L'argent dans ces deux cas, là, et dans les deux, je parlais de Judas et de Balaam, mais de tous ceux qui les imitent aussi. Il y a comme un salaire qui vient, un salaire sur la terre. Et Judas n'a pas tiré profit de son salaire. Et tu nous as référé un nombre, mais ceux qui vont lire, si on continue à lire un peu, ils vont se rendre compte un peu plus loin que Israël a atteint. C'est comme Dieu le voulait, ce peuple de Balaam, de Balak, excusez-moi. Et ils ont détruit, entre autres, le prophète Balaam est mort aussi. Donc, Judas et Balaam ont eu une même fin, si on appelle ça. Et on pourrait trouver d'autres exemples. Il me vient à l'esprit dans le second livre des rois, chapitre 5. Vous vous souvenez, quand Naaman, le Syrien, est allé voir le roi pour être guéri de sa lèpre, et finalement, il a été envoyé vers le prophète qui lui a dit d'aller se tremper dans le Jourdain cette fois, je ne me souviens plus, 5 ou 7 fois. Et le serviteur de Dieu, le prophète, n'a demandé aucun paiement, parce que Naaman, une fois qu'il a été guéri de sa lèpre, est revenu et a voulu payer pour ce qu'il avait reçu, cette guérison, parce que le prophète ne lui avait rien demandé, et le prophète s'est retourné chez lui, il ne demande à rien, il ne veut rien. Mais Géasi, qui est le serviteur du prophète, a été convoité, et en secret est allé vers Naaman demander de l'argent pour ce service qui lui avait été rendu, en prétextant que le prophète avait un besoin subit qui venait d'arriver, hein, des fils de prophète qui venaient d'arriver pour se joindre à lui, qui avaient besoin de vêtements. Mais qu'est-ce qui a été la réaction? Il s'est fait dire, hein, par le prophète, « Crois-tu que je n'ai pas vu ce que tu as fait? » Et il lui a dit, « La lèpre de Naaman, maintenant, s'attachera à toi. » Et Géasi, ce serviteur du prophète, est devenu lépreux. Donc, il y a des conséquences même sur la terre. Mais elles sont peu de choses en proportion de ce que tu mentionnais, Léon, c'est-à-dire que en réalité, c'est leur âme que Judas et âme ont vendu pour un salaire. Et que chacun donc prenne garde à ces choses pour lui-même, parce que ça nous parle, je trouve que ça parle beaucoup. Et la convoitise, le désir des richesses, on pourrait en trouver d'autres, je pense, comme ça, à Caen, quand Israël est rentré dans la terre promise, qu'ils ont combattu Jéricho, les murs se sont effondrés
Et il a convoité un manteau de chinéard avec 200 pièces d'argent, je pense, et un lingot d'or, qu'il a pris, qu'il a caché sous sa tente. Et par la suite, Israël n'a pas été capable de combattre ses ennemis. Et Dieu a dit à Josué, il y a de l'interdit au milieu de vous. Parce que tout ce qui était à Jéricho, c'était la première ville qu'il conquérait et devait être livré comme prémisse à Dieu, si on veut. Donc, encore. Et encore là, Achan a été mis à mort pour son péché avec sa femme, ses enfants, ses bœufs, ses hommes, toutes ses possessions. Et tout cela a été mis au feu. Donc, on voit la conséquence très profonde de ces choses. Et aujourd'hui, on est dans un monde où l'argent corrompt tout. Il y a des dictons qu'on entend dire à l'argent peut tout acheter. Et si on est arrivé avec. On voit que Satan a utilisé cette même ruse dans Matthieu 4. On voit comment il a même, avec le Seigneur Jésus, essayé de le tenter par le gain, par la porte, par l'argent. Donc, la Bible nous dit en fait que l'amour de l'argent, non pas l'argent en soi, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens vont tous chercher à s'enrichir naturellement. L'idée, c'est qu'on doit se mettre en garde de ces choses. Ce n'est pas que l'argent est mal en soi. Abraham était un homme très riche. On voit Salomon qui a été riche. On voit Job qui était aussi un homme très riche et très droit. Il y a des distants exemples. Mais on voit aussi Daniel qui a été même auprès du roi, du grand roi, le roi de Babylone, le grand des rois. Et quand on a examiné ses vies, le sultan de Darius, roi de Perse, on n'a rien trouvé pour reprocher à Daniel. Daniel était un homme droit, un homme fidèle qui vivait dans l'opulence, dans toute cette abondance autour de lui, et il ne prenait que ce qui lui revenait de droit. Enfin, on pourrait continuer beaucoup là-dessus, je m'excuse, je ne devrais pas, Léon, c'est sa parole, mais c'est juste pour dire qu'il y avait encore énormément de leçons à tirer de ces choses. Je ne sais pas si on a tout bien entendu, là, parce que ça coupe beaucoup, là, je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, on a entendu la pensée, là. OK, le verset 17, maintenant, il continue toujours pour parler concernant les faux docteurs. Là, il décrit ces gens-là, il dit « sans des fontaines sans eau ». Donc, on pourrait dire que ils sont vus comme des fontaines. Je ne sais pas si vous avez déjà été boire à une fontaine. Puis quand vous arrivez là, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'eau. Donc, la fontaine, ça paraît qu'il y a de l'eau à la première vue, mais il n'y a pas d'eau. Et donc, ici, ces gens-là, ils sont comparés à des fontaines sans eau. Il y a des fontaines qui ont de l'eau, mais les autres, ils paraissent comme des fontaines, mais ils sont sans eau. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas nous apporter rien, vraiment, de bénédiction du côté spirituel. C'est plutôt le contraire. Il dit qu'ils sont comme des nuées que chasse un tourbillon. Donc, la même chose, un nuée, on penserait qu'il va venir de la pluie, mais il est seulement chassé par le tourbillon. Il ne va pas donner rien. Ça ne va pas produire rien de bien. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc, on peut voir que le jugement va être bien sévère envers ces gens-là. Plus sévère que probablement la plupart des personnes. Parce que c'est des personnes qui ont joué, si on peut dire, avec la parole de Dieu, ou qui se sont moquées de Dieu, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Donc, il cite quand il dit l'obscurité des ténèbres leur est réservée. On dirait, il parle, c'est de la noirceur tous les deux, l'obscurité des ténèbres, mais on dirait que c'est plus profond, là. Ils auront le jugement plus sévère pour moi. Parce que c'est des personnes qui ont été en contact avec la vérité, la parole de Dieu, mais qui l'ont rejetée. Hein? Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là. En fait, tu as mentionné, Léon, pour la nuée. Cet été, on a eu un été ici au Québec vraiment exceptionnel. Où justement, les champs vraiment assoiffé. Les récoltes ont beaucoup souffert du manque d'eau. Et à un moment donné, on voit comme un temps nuageux qui
s'en vient. Et ça se dissipe, comme tu mentionnais, c'est comme lui, quelque chose qui passe et qui n'apporte pas la bénédiction, l'ondée désirée. Donc, on perd soupir après l'eau, mais l'eau ne vient pas. Et si ça nous est arrivé au Québec, c'est vraiment pas quelque chose d'usuel. Là. Je veux dire, dans ma vie, j'avais vu une certaine, on en a eu cet été, rien semblable, mais on est au Québec, où je suis au Québec, bon, les gens sont peut-être partout dans le monde, là, mais ce que j'allais dire, c'est que imaginez-vous en Israël que Pierre parle de ces choses comme un juif. Et, en Israël, il n'y a pas abondance d'eau comme il y en a ici au Québec. Le Québec est réputé pour son eau, hein, mondialement, mais ce n'est pas le cas en Israël. Donc, c'est vraiment, comment dire, une profonde déception. Quand la pluie ne vient pas, même ici, dans le contexte de sécheresse qu'on a vécu, mais imaginez-vous en Israël, à un moment donné, dans les prophètes, hein, qu'il y a eu 3 années et demie de sécheresse, ou 7 années même sous Élisée, de sécheresse, les gens soupirent après la pluie, et là, tu vois une nuée, mais elle se dissipe, elle ne donne rien. C'est vraiment profondément désappointant. Et quand tu parles que les ténèbres leur sont réservées, ça vient confirmer ce qu'on a lu au sujet de Judas, hein, et de Balaam. C'est au prix de leur âme, finalement, qu'ils se sont laissés attirer. Parce que clairement, quand on parle de ténèbres, d'obscurité, de jugement, déjà sur la terre, ces gens vivent dans des ténèbres, dans l'obscurité. Ils ne voient pas la lumière. Ils ne voient pas la vérité. Ils ne parviennent pas à la connaissance de Dieu. Parce que la seule façon de connaître Dieu, c'est par sa parole. Et si on méprise Dieu et sa parole, on vient se couper nous-mêmes. Donc, ces gens sont dans les ténèbres déjà sur la terre, mais ils termineront pour l'éternité dans les ténèbres. Et ça, c'est encore plus terrible, si on peut dire ainsi, juste en terminant. Donc, je voulais insister sur cette pensée de la sérieux et de l'importance des choses. Mm-hmm. J'espère que ça coupe pas tout le temps, mais voyons peut-être. Oui, il y a un verset qu'on peut, je vais juste le lire dans 2 Corinthiens 11, là. Paul parle à propos de ces hommes-là aussi. Comme on vient de dire, à l'apparence, ça paraît qu'ils vont apporter quelque chose, comme le nuage, mais ils sont sans eau, ils n'apportent rien. Mais ils sentent comme... ils émettent quelque chose qui est vrai, mais c'est faux. C'est ça que Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, en parlant des faux. Il dit au verset 13 du chapitre 11, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Donc, ils ont une apparence de quelque chose de vrai, mais c'est faux, hein? C'est une imitation. « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc, Satan, parfois le monde le décrit comme un être qui est très laid, un être qui porte des cornes, qui veut faire du mal à tout le monde, mais c'est pas ça vraiment que Satan. Satan vient souvent bien attirant. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et à les voir, ça paraît tout bien vrai, comme Jésus a dit dans Matthieu 7, en parlant des faux prophètes, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Mais là, Paul dit aussi, « Leur fin sera selon leurs œuvres. » Paul dit la même chose que Pierre nous dit ici. Mais là, je vois que le temps est pas mal passé, donc peut-être qu'on peut garder le reste du chapitre, là, parce que c'est intéressant aussi, là, qui parle à propos de ceux qui vont se laisser entraîner par ces personnes-là. Hein? Donc, on verra ça peut-être la semaine prochaine. Hein? Le Seigneur Jésus en avait parlé aussi dans Matthieu 24. Il dit, il y en aura plusieurs qui viendront en mon nom, des faux Christ,
et tu ne les suivais pas, ne les écoutais pas. Donc, effectivement, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui et ça a été annoncé par les prophètes Pierre, les apôtres, l'apôtre Pierre, qu'on est en train de annoncer ces choses. Et la voix de la vérité sera calomniée de eux. C'est ce que vraiment nous enseigne la parole. Et le Seigneur Jésus, avant eux, même l'avait dit, ne les suivez pas, écoutez-les pas, ne les croyez pas. Si on dit « je suis au désert, je suis ici », n'y allez pas. Donc, c'est vraiment qu'il faut un discernement. Et la seule façon, c'est de se laisser guider par Dieu. Il faut prier le Seigneur, lui demander à lui de nous guider dans la vérité, de nous ouvrir les yeux à la vérité et non pas au mensonge. Et il y en a eu tellement depuis le Seigneur Jésus, parce que Jésus ne parlait pas juste des temps dont nous vivons, mais il parlait vraiment au commencement, la Pierre parlait, et c'est pas nouveau, l'apôtre Pierre en parle, et il dit, ces choses sont déjà en train de prendre place, le temps, il y a 2000 ans. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, et malheureusement, c'est quelque chose que je prends aussi à cœur, parce que ça m'a détourné moi-même pendant un temps. J'ai suivi, pas avec la plus grande fidélité, je dois l'avouer, mais quand même, la religion des parents qui m'avait été enseignée, comme de raison, je m'en suis éloigné parce que je voyais qu'il y avait des choses qui, pour moi, n'avaient pas de sens. Et gloire à Dieu, d'une façon, parce qu'il m'a appelé à la vérité, mais il y a beaucoup de gens qui vont être trompés par leur religion, qu'ils ont hérité de leurs parents, ou qu'ils ont été en cours de chemin, qu'importe. Donc, c'est vraiment... J'ai découvert plusieurs surprises et des contradictions flagrantes entre ce qu'enseigne ma religion et ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et j'ai été obligé de rejeter le mensonge, donc ce qu'enseignait ma religion, pour accepter ce que Dieu enseignait. Donc, c'est important. Et le Seigneur nous avertit, les apôtres nous avertissent de ces choses. Il faut nous détourner des ténèbres, du mensonge, de Satan, comme vient de Léon, qui se déguise en ange de lumière. Et il faut se tourner réellement la parole de Dieu. Jésus l'a dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous garderez mes paroles. Donc, il est impossible d'être un disciple du Seigneur Jésus, d'être un chrétien, un véritable chrétien. Plusieurs vont prétendre. Malheureusement, tous ne le sont pas. Excuse-moi, Léon, je te laisse la parole. Eh bien, donc, on va terminer par la prière pour pouvoir terminer le chapitre la semaine prochaine. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière, nous réalisant encore que ta parole nous a été laissée afin de pouvoir connaître tes voies et tes pensées. Et on a besoin d'être à tes pieds pour pouvoir discerner ces faux qui se trouvent dans ce monde présentement. Et on sait que bientôt, il y aura deux personnages qui vont s'élever. Nous lisons ça dans l'Apocalypse 13, qui sont comparés à deux bêtes, l'Antichrist et le faux prophète. Et ces gens-là vont séduire les habitants de la terre par leur éloquence ou même par leur apparence religieuse. Donc, ô Dieu, on te prie que tu veilles sur ton peuple, nous vivant dans les derniers jours, et que la confusion est partout. Donc, nous remettons cette étude devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.